Alors attends, parce que c'est le bazar à l'intérieur. Laisse-moi 5 minutes le temps que je range. En attendant, on passe tous les sacs ici. Ah bah oui, effectivement, c'est le bordel. Attends, je vais t'aider. Je m'en occupe. Ok, ok. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. Oh non, mais j'en peux plus, moi, de cette voisine. Chaque fois, on a l'impression qu'elle revient d'un tour du monde. Non mais... Non, Alicia! Oh, Alicia! Oh, le voisin, il râle tout le temps, mais il pouvait pas arriver plus tard aussi. Bon, attends, je vais lui proposer un bout de gâteau. Hello, Arthur! Comment tu vas? Mais t'es rentré plus tôt aujourd'hui. Ça va? Enfin non, ça va pas. C'est quoi tous ces sacs dans le couloir là? Ça peut plus durer. Laisse-moi 5 minutes, je vais tout ranger, promis. C'est quoi? Tu travailles dans une crèche maintenant? C'est quoi ces poulpes? Alors justement, avec Héloïse, on va tout expliquer. Tiens, Héloïse, prends le gâteau. Arthur, je te propose qu'on aille chez toi parce qu'on sera plus confortable. Mais en fait, les sacs, ça nous sert à expliquer les neurosciences au grand public pendant la semaine du cerveau. Et d'ailleurs, le poulpe, c'est un neurone. Oui, enfin, moi, j'y comprends rien, tout ça. C'est pas mon domaine, hein. Je suis un littéraire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai faim. Bah, il faut bien qu'ils mangent, tes neurones, hein. Ah bah, parce que ça mange, des neurones, hein, maintenant. En première nouvelle. Oui, dans le cerveau, il y a des vaisseaux sanguins qui transportent du glucose. Des astrocytes prélèvent le glucose par leur pied astrocytaire, le transforment en lactate, et ils transfèrent ce lactate aux neurones. Donc, moi, la seule chose que j'ai comprise, c'est qu'on a des astrocytes dans le cerveau. Alors, en grec, ast, ça veut dire étoile. Cyte, ça veut dire cellule. Donc, en plus des poulpes, des neurones, on a des cellules en forme d'étoile dans le cerveau. Oh, c'est chaud. Oui, c'est exactement ça. Bon, ok, mais alors, ils font quoi, ces astrocytes? Tout va s'éclaircir. Et mais elle fait quoi là? Et mais ma serviette? Voici la cellule astrocyte. Elle est connectée au vaisseau sanguin via le pied astrocytaire. Elle va aller chercher le glucose qui passe dans le sang, l'absorber, le transformer en lactate et ensuite le redistribuer aux neurones. Ok, moi j'ai vraiment besoin d'un café là. Et tu sais faire du cappuccino? Et moi je prends un verre d'espresso aussi s'il te plaît. Mais Héloïse, en fait, Arthur, c'est comme l'astrocyte. Il va chercher le café dans le placard comme si c'était le vaisseau sanguin. Il nous le prépare comme l'astrocyte. Il transforme le glucose en lactate et il nous l'amène. In fact, I am an astrocyte. What else? Non mais là, c'est parti trop loin. Tu peux pas me prendre du sucre avec le café au fait. Ok, pas de soucis. Au final, le glucose, c'est du sucre. Donc, si je veux nourrir mes neurones, faut que je mange du sucre. Oui, ça marche, mais ton système digestif est capable d'extraire du glucose de plein d'aliments différents. Par exemple, quand tu manges des pommes de terre ou des bananes, l'amidon à l'intérieur est découpé en molécules de glucose. Donc, je te conseille plutôt de manger de façon équilibrée. Non, mais pas de problème. D'ailleurs, c'est déjà ce que je fais, d'ailleurs, non? Non? Et sinon,
Votre astrocyte, alors, il est tout seul pour nourrir tous les neurones? Ah non! En fait, il y a des millions d'astrocytes dans le cerveau. Et d'ailleurs, les vaisseaux sanguins dans le cerveau sont presque entièrement recouverts par les pieds astrocytaires. En tout cas, à discuter avec ses voisins, on découvre toujours des choses intéressantes. Mais faut pas être trop matérialiste. Hein. Oh là, faut que je file. Bon bah merci pour le café, hein. Au revoir. Bon bah moi il faut que j'aille ranger en bas, hein, pour pouvoir ramener mes sacs. Allez, à tout à l'heure, dans 5 minutes. Hein. Ah bah. Ah bah c'est bien la dernière fois que je râle pour des sacs dans le couloir, hein. Elles m'ont tout massacré. Elles m'ont tout massacré. Alicia, t'en es où de ton rangement? J'arrive. Alicia, il y a tes vaisseaux sanguins qui se répandent. Non mais Arthur, je suis pas hémophile. Qu'est-ce que tu me chantes là? Mais qu'est-ce qu'elle est dispersée cette fille? Mais qu'est-ce qu'elle est dispersée?